Le changement de courant. 19 avril 2022. Parole du Seigneur délivrée à sa prophète Patricia Chaud. Traduite et lue par Justine. Le courant est sur le point de changer de sens. Je commande la marée descendante afin d'exposer. Tout comme dans l'ordre naturel, quand la marée se retire, exposant le sable, les coquillages et les dépouilles de la vie marine qui se trouvaient sous l'eau. Je fais de même. J'expose ce qui se cachait dans les eaux obscures et troubles par l'inversion du courant. L'Ukraine sera exposée. Les États-Unis d'Amérique seront exposés. La Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Italie, la Russie, la Chine et la Biélorussie seront exposés, dit le Seigneur. Le nouvel ordre mondial est sur le point d'être exposé aux yeux du monde. Des noms seront dévoilés et des plans exposés, dit le Seigneur. Quand la vérité va arriver au devant et que les mensonges seront exposés, cela va provoquer un pandémonium le temps d'une saison. Qu'est-ce que la vérité? Diront les gros titres. Tous les mensonges vont se défaire, comme une bobine de film qui se déroule sur une immense pente, jusqu'à épuisement, jusqu'à sa base. Tous les mensonges qui ont été retenus fermement ensemble vont être démêlés. Oh, comme mon peuple a besoin d'entendre la vérité et embrasser la vérité. Vous êtes dans les derniers jours, mes enfants. Quand je dis « derniers jours », ne pensez pas que je viens immédiatement. Certaines prophéties et événements doivent prendre place d'abord, afin que ma parole s'accomplisse. Ce sont là les temps de turbulence dont j'ai parlé dans les Écritures saintes qui se produiront. Des choses se produisent dans le royaume spirituel et préparent le terrain, dressent la scène et ouvrent la voie pour la réalisation des choses dans le royaume terrestre. Des principautés sont abaissées et fléchies et placé par mes anges sous l'emprise de chaînes. Ces principautés ont dominé sur des territoires et des régions que je réclame et reprends désormais comme mien, dit le Seigneur. Il y aura un embrasement de renouveau et de vie dans ces régions libérées des bastions de ces principautés. Une guerre se produit dans les lieux célestes, et j'en suis le vainqueur, dit le Seigneur des armées d'hôtes. Ma gloire sera mise en avant, et ma lumière présentée aux nations. Levez-vous et brillez, car votre lumière est venue, et la gloire du Seigneur s'est levée sur vous. Nation, ô nation, je vous appelle, levez vos yeux et voyez, ouvrez vos oreilles et entendez ce qui est déclaré par ma bouche, dit le Seigneur. Nation chèvre, soyez repoussée et écartée. Nation brebis,
Venez dans mon bercail, dit le Seigneur. Les lignes ont été tracées. Il n'y a plus de va-et-vient possible à partir de maintenant. L'heure vient et elle est déjà là, où mon salut se répand et se manifeste à large échelle. Ceux qui font le mal vont demeurer dans leur mal et périront. Ceux qui sont justes et droits vont demeurer justes et droits et sont sauvés. Ceux qui ont été aveugles vont voir mon éclatante lumière et seront sauvés. La récolte est prête. Le blé est de teinte dorée et prêt à être moissonné. Car je suis le pain de vie. Toutes les épreuves que vous avez traversées, tous les déboires et contretemps que vous avez vécus, toutes les peines, tous les doutes, toutes les insuffisances touchent à leur fin. Car j'ai un nouveau commencement pour mes enfants, dit le Seigneur. Venez me chercher pour obtenir l'impossible, car avec moi, toutes choses sont possibles à ceux qui croient. J'ai délivré mes paroles au travers de mes prophètes, et je vais réaliser mes paroles. Trump va revenir comme président des États-Unis d'Amérique. Mon ange de mort frappera le méchant. Le nouvel ordre mondial sera interrompu et exposé. Il y aura des calamités en divers lieux et plusieurs séismes secoueront la terre. Les histoires de mensonges, tromperies, corruption et perversion seront déterrées et dénoncées publiquement. Ceux qui ont été impliqués seront exposés. J'ôterai certains, dit le Seigneur, et d'autres se donneront la mort en raison de cette exposition. Le récolteur est prêt avec sa faucille. Le pressoir à vin débordera du sang du méchant, qui sera jeté en enfer où le tourment l'attend. L'enfer se dilate pour recevoir ces hommes et femmes pervers et maléfiques. Cela ne me procure aucun plaisir. J'ai averti et mis en garde, encore et encore, laissant un délai aux gens pour se repentir et se détourner de leur voie infecte. Mais dans leur raisonnement, ils se disent « Il ne m'est rien arrivé jusqu'ici, je peux donc continuer sans rien changer. » Mais soudainement, je vais réaliser mes paroles prononcées par mes prophètes, et il sera trop tard pour eux. Les choses ne vont pas continuer comme elles sont, contrairement à ce que certains pensent. Il va y avoir de grands changements et des basculements dynamiques dans l'état des choses. Et les lieux ténébreux vont connaître la lumière, dit le Seigneur. Je suis en train de relever Jean le Baptiste, qui prêchera dans le pouvoir d'Élie pour hâter ma seconde venue, dit le Seigneur. Ayez du cœur à l'ouvrage et ne perdez pas courage, car de grands moments vont abonder en cette saison pour mes enfants. Restez debout, mes enfants,
car en temps voulu, toutes mes paroles s'accompliront. Je vous aime d'un amour éternel, mes enfants.